Eh bien, salut à tous, c'est Alcat. Aujourd'hui, on se retrouve avec Dinosaurus sur GBA. Non, sur Game Boy, la toute première Game Boy. Dinosaurus, un petit peu. Toys R Us, c'est un petit peu la même chose. Le jeu de mots. Et donc, je connais pas du tout ce jeu. On va J'avais vu le test à l'époque dans les magazines. Et donc là, on va le découvrir ensemble. On va bien voir ce que ça donne, c'est quoi. Il paraît que c'est un Pokémon-like, avec des notions enfin, un mélange entre un jeu de plateforme et des combats à la Pokémon. Sauf que je crois qu'il y a que 7 créatures dans tout le jeu. Je me rappelle plus trop. Il avait été saqué le jeu, sur ça, le jeu, dans les... Oh putain, mais voilà, il est en couleur, là. Il y a des belles couleurs, j'ai envie de dire. Iguano. Pourquoi pas, hein. Oula, ouais, quand même. Et c'est vachement... Oh putain la vache, mais c'est vachement détaillé les animations. Ah bah je suis déjà mort. Ça va pas traîner. Donc tu vois, on est déjà en mode... Eh oui, et tu vois, je change de couleur là. Quand je ramasse des trucs. Ça là. Donc déjà, il y a zéro histoire. Oh putain, je suis passé en bleu. C'est comme les chocobos, ça évolue plus vite que la lumière. Et là, je vais redevenir vert, c'est ça, si je prends ce truc. Non, pas vraiment. Mais c'est vachement grand, là. Ça permet d'avoir un sprite détaillé, vous voyez, c'est relativement beau, là, pour de la Game Boy. Oula, c'est quoi ce délire? Je l'ai bouffé! Je vais devenir un carnosaure. Oh, c'est quoi ce délire? Ah, ben voilà, un combat, là. Mais c'est venu comme un cheveu sur la soupe. C'est quoi ce délire? Pourquoi ça a déclenché un combat? J'ai juste bouffé. Ah, c'est pour ça, peut-être. J'ai mangé un de ces petits et... Écoute, Liz, je sais que tu as hâte de rentrer chez toi pour dévorer tes petits. Mais il n'y a pas que l'infanticide dans la fiche énorme. Alors, tu vois, griffe queue. J'ai que deux... Mais super simple, il n'y a pas eu d'histoire ni rien. Je suppose que c'était dans le bouquin. Dans la notice, pour ça. Ça! Pour l'instant, on est pas trop mal. Bien, le coup critique. Il est assommé! J'ai l'impression que la queue est plus puissante. Mais ça, on le savait déjà. Bien, bravo. Mais je comprends rien! C'est quoi les trucs en bas à gauche? Donc c'est en bouffant ces trucs, là? Parce que regarde, je peux appuyer sur O. Et là, ma jauge de vie se met... Enfin, le nombre de cœurs se met en haut à gauche au lieu d'être en bas à gauche. Et là, je peux regarder un petit peu vers le... Avec O et bas, t'as vu? Vers le haut, c'est quoi ce machin là? Mais je ramasse des trucs, je sais même pas ce que c'est! Là on dirait qu'on est en mode patoun. En plus je suis allé à gauche. Ah, il y a un combat là, et cette fois-ci il est élément, ça fait rien, t'as vu, je peux pas le faire. Il est vert au lieu d'être rouge cette fois-ci. Oh putain, bien joué les dégâts. Ah merde, j'ai raté, saloperie là. Je vais essayer d'aller voir dans le menu options. Merde. Oh là, pause. Ah ben faut que j'aille en haut à droite là. Moi je suis le bleu. Et la croix c'est ma destination, non? C'est quoi ces conneries? Il y a l'air d'y avoir pas mal de trucs. Ah voilà, select. Niveau 1, 14 points de vie, 14... je sais pas ce que c'est ce truc. Gauche, ça fait rien. Hein. Ah ouais, expérience suivante, bien joué. Mais il y a feu, eau, nature et électrique, c'est ça? J'ai du mal à voir le... Ouais, c'est bien, mais... Et la description des attaques? Comment je sais la précision de... Oh là, il y avait un truc, là. Ah, je peux pas la ramasser, bien joué. Je saute pas assez haut. Voir si j'essaye de bouffer ce truc, là. Ah, bien joué, ça m'a soigné. Ok. Apparemment, c'est aléatoire, hein. C'est des combats random. Ça peut se déclencher sur n'importe quelle plateforme. Peut-être pas quand on est sur ces petits trucs, non? Oh, pas la peine de le bouffer, je suis full PV. J'ai... Oh, putain, fais chier! Un stégosaure! Oh, ça! Tu vois, moi, je suis un iguanodon. C'est pour ça que je m'appelle Iguano. Oh, ça! La queue, ça a l'air d'être plus puissant et de pouvoir... Ah ben, merde, je suis assommé, bien joué. Maintenant, c'est moi. Ça peut stun l'ennemi, j'ai l'impression. Cette fois-ci, du coup, je vais le prendre. Mais... C'est pas évident quand même, hein, ce jeu. Oh merde! Bien joué. On est mort!
Ah, puis je suis rouge maintenant, putain, mais c'est quoi ce truc, on comprend rien. Tout ce que j'ai fait pour rien, là, depuis le Bédu. Là, maintenant, je suis jaune. C'est très étrange, hein, ce jeu. On comprend pas trop comment ça marche. Allez, un combat, bien joué. Un coup de queue. Ça, c'est un Diplodocus, voilà. Ils sont pas foulés pour les noms. Pour ça, c'est le prix. Et donc, j'ai perdu toutes mes... Ah, ça a diminué l'attaque, ok. Ah merde, c'est des trucs. C'est des stalactites qui tombent, bien joué. J'avais pas compris, ça m'a fait des dégâts. Mais là, je peux pas y aller, là, c'est quoi ces conneries? Faudrait que je puisse faire une roulade ou être plus petit. Ah putain, on va crever, je vais m'enfuir. Hein. Peut-être qu'on peut rater hein, la fuite. Je bouffe ce truc de brin, là. Ouais, bien joué. Je suis à moitié keblo sur le décor. J'ai raté. Mais putain! On peut le faire dans le vent, hein, ce truc. Ça nous ralentit un petit peu. Ils n'ont pas ralenti que. Voilà, bien joué. On a passé à la prochaine zone. On va faire un truc avec ce machin, là, j'ai l'impression. Ah, bien joué, je l'ai esquivé cette fois. Ouais, c'est bien. Là, je suis devenu élémentaire d'eau, c'est ça? Et donc, je peux nager, non? Je vais dans l'eau. Tu vois, des trucs de tous les éléments. La feuille verte. L'éclair. Oh là! Un plésiosaure. Prends ça! Putain, la vache, on fait des dégâts colossaux. J'aurais bien levelé au moins un niveau pour voir ce que ça fait. Ah merde, saloperie de flamme. Ah bah non, je suis mort quand même. Putain, mais qu'est-ce que... Je voulais vérifier hein, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bien joué, j'ai pas... Non! Je perds des points de vie. Ah, maintenant je suis à 24, putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez, on va regarder. Ça là, regarde, 2, 3, 2, 2, seulement? Et exp suivant, 16, 52. Ok, on va essayer de faire gaffe à ça. Prends ça. Il m'a gonflé. Regardez, hop, de l'eau. Et là, maintenant, je suis à... Tiens, 2, 4, 2, 2, ça a pas changé, non? Regardez, je prends ce truc. Ah, 2, 4, 3, 2, si, ça augmente. Mais est-ce que la prochaine fois que j'aurai un... J'ai fait un saut de l'ange. Voilà, regardez, ah ben non, j'ai toujours pas élément. Je vais essayer de baisser un petit peu ça, voilà. Un brachiosaure. Ça... J'ai pas tout compris, je dois dire. Et là, j'ai ramassé un nuage, c'est quoi? 2, 4, 3, 3. C'est la même chose que la foudre, non? J'ai rien compris, je sais pas comment on utilise les éléments. Ah, merde, c'est quoi? Ah, si! Bien joué. Pourquoi je peux pas, là? Je peux pas aller à la suite. Donc, tu vois, ben, c'est ce que je te disais. Hein. C'est un mélange entre un jeu de plateforme et un... Aïe. Avec des fois des notions à la Pokémon. Mais putain! Il est esquivable ce truc. J'ai pas compris le coup des éléments. Et le coup de cette jauge... Bien, je suis devenu jaune. Parce que j'ai ramassé plus de foudre. Ah, c'était en haut! D'accord, ok. C'est en haut le... Voilà, bien joué la pomme. Les schtroumpfs peuvent aller se rhabiller avec ce jeu. Bien joué, la truc. J'ai pas réussi. Ah, putain, mais je me prends une... Je m'en suis pris une. Fallait savoir hein, que la fin du niveau, c'était ici. Heureusement, il y a un checkpoint à chaque zone, j'ai l'impression. Attendez, je vais essayer de ramasser cette pomme. C'est une quête. Il faut ramasser ces... Hein?
Ah, maintenant j'ai élément. Attendez. Oh là là, attendez, c'est quoi? Pourquoi je peux tout faire sauf l'eau? On va faire boule de feu, boule! Tu vois, apparemment, ça prend, en bas à droite de l'écran, là, ça prend... J'ai 14 MP et ça en prend 5. Ça remplace les PP, t'as vu? Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit forcément plus... Putain, mais on level up jamais dans ce jeu. Maintenant, nouveauté... Des plateformes... Est-ce que je peux y aller au moins? Non, je suis passé au travers, bien joué. Je peux pas passer, c'est quoi ces conneries? Un mur. Bon là, il y a des trucs bizarres quand même, hein. J'ai pas tout compris. Pourquoi je peux pas monter là-dessus? Sur ce truc-là? Pourquoi je peux pas... passer ce machin-là? Et pourquoi il y avait un espèce de tunnel où j'ai pas pu me faufiler? Un espèce de... Ouais, des faufilés, excellent. J'ai failli... Oh là, il a l'air dangereux, lui. Est-ce qu'il serait de type feu? Ouais, mais justement, je peux pas utiliser ce truc de brun, là. Je vais utiliser un rocher. Ouais, mais quand même! Bien joué. Level up. Et ça me soigne! C'est généreux. Tant mieux. Parce qu'on commençait à être dans la merde niveau point de vie. Voilà, bien joué, là. Aïe. Saloperie, va. J'ai récupéré des MP, hein, apparemment. C'est un coup à prendre, les sauts. Attention, saleté de branche. Le temps de se retourner, c'est ça qui est un petit peu dommage, vous avez remarqué. C'est un petit peu un raptor. Je vais prendre ça. Et non pas les rapetous. Je vais utiliser la glace. Mais est-ce qu'on sait si c'est... parce que là, ça lui a fait des dégâts colossaux. Mais est-ce qu'on sait si... Non pas le Wisconsin. Est-ce qu'on sait quand on lui fait des dégâts super efficaces? Putain, mais il fait chier, là. Parce que tu vois, lui, c'est le même, mais il est bleu. Est-ce qu'il craint ce truc, là? Ça, là. Parce que c'est pas marqué si c'est super efficace ou pas. C'est un peu étrange, quand même. Et puis, est-ce que le fait d'être jaune, ça rend mes attaques de foudre... Bon, là, c'était facile, hein, cette zone. Attention, Oh, c'est quoi, un espèce de boss? Attention, destination, nouvelle zone. Bouclier du vent, peut-être, pour me... Ou furie. Oh là là, c'est quoi ce délire? Ça m'a fait des dégâts colossaux. On y meurt! Bien joué! Un Terry! Non! Pourquoi? Allez, bien joué, le saut, en plein saut, comme d'habitude. Le fait d'être touché en plein saut. Par contre, il m'a dilaté le... Putain, mais... On s'est fait défoncer. J'ai pas compris le boss, là. Déjà, j'ai fait attaque furie. Et ça m'a... Bah déjà, je l'ai plus, là. Prends ça. J'ai perdu mes levels, là. Non, level 2. Je suis à 9, 6, 7, 9. Donc là, on va essayer de ramasser un truc de feu. On va essayer d'esquiver. Il me faudrait un truc de feu, là, pour bien faire. Ah, ça, là. Ah, c'est un peu space, hein, quand même, ce truc. On va encore se faire dilater. Prends ça. C'est peut-être l'attaque furie et tout ça, là. Peut-être que c'est uniquement... Voilà, tu vois, dès qu'on atteint 10. Et c'est pour ça que j'ai eu, effectivement. Et donc, quand on se fait tuer, on revient au début de la zone. Mais tous les objets qu'on a ramassés, c'est pour rien. Et même les combats aussi, faut croire, un espèce de rollback temporel. C'est bizarre parce que eux on les détruit facilement. Mais l'autre il nous a défoncé mais quelque chose de sévère. Donc là peut-être qu'il faut... Bah peut-être qu'il faut être level 3 déjà.
Il faut farmer, apparemment, ce jeu. Et ramasser plein de... Ça, là, ces trucs en bas, t'as vu? Non, je les veux! Mais c'est bizarre, parce que l'attaque furie, ça a rien fait. Ça a fait, mais ce qui s'appelle rien du tout. Ah, lui, il est plus résistant, bizarrement. Regarde, Fury, ça a rien fait. C'est possible que les... D'après le nom, là, que je vois, bouclier, pot de pierre, fontaine, c'est possible que ce soit... Ça, c'est des trucs d'attaque. Le deuxième, c'est un truc de défense. Mais Fury, c'est pas logique. Normalement, c'est censé augmenter mes dégâts. Mon attaque, peut-être. Encore heureux, j'ai envie de dire. Et ça, c'est une attaque suprême, s'il faut. On va voir si je vais faire plus de dégâts, là. Tu vois, c'est ce qu'on a vu, là. L'espèce de boule de feu, ça l'a fait sur moi. Ça fait pas de dégâts. Faut voir si ça fait plus de dégâts, là. Ouais, c'est ça. Ben, encore heureux, hein, parce que le boss... Fait chier, ces trucs, là. Il est possible que ça repop pas, hein, ces machins. Contrairement aux objets de vie. Et de MP, comme là. Oh là, un ankylosaure. Oh, ça ! Oh putain, bien joué. Mais Et donc il faut les trouver. Il faut chercher un petit peu partout, vous voyez, comme là, là. Comme ce que je fais. Oula. Il est possible que je dois les chercher un petit peu partout sur la map. Ouais, comme là, là, t'as vu. Et voilà, je suis devenu rouge. Parce que j'ai plus de... Ah putain, mais fais chier là. Fils de... Il est possible que j'ai plus de feu que d'électrique. Ok, bien joué. Et il est possible qu'il faut en ramasser un maximum pour... Tu vois, je suis comme lui, là. Aimanteur de feu, faut croire. Mais là, si la couleur, ça désigne ton élément, ou celui des... Putain, mais... Ça, c'est vraiment pourri, ce truc, quand même. Là, je vois, il faut toujours comacher. Eh bien, il est possible que... Tu vois, là, ça me fait un checkpoint, hein, du coup. Je serai toujours rouge si je crève, là, la prochaine fois. Eh bien... Ben, comment tu fais pour t'en... Ça, c'est un désavantage de la version Game Boy normale. Par rapport à la version Game Boy Color, là tu le vois, avec la couleur rouge. Ah, bien joué, une nouvelle zone. Mais avec avec la version Game Boy Mekouille, la Game Boy normale, vu qu'il n'y a pas de couleur, et eh ben tu... Là, tu le verras pas. Allez, bien joué. Tu vois, là, je vois qu'il est jaune, élémentaire électrique, là, faut croire. J'ai débloqué pot de pierre. Oui, c'est en fonction des objets que tu ramasses. Hein. Plus tu ramasses ces trucs-là, plus tu débloques. Ça sera peut-être en ramassant 15 ou 20. Oula. Très efficace, t'as vu, c'était marqué, là. Ok. Le feu, c'est super efficace contre les ennemis jaunes. C'est bizarre, hein. Ça nous semblerait pas logique. Oh, ça. Donc, bah, t'as vu, effectivement, ça pisse pas loin. Regarde, je vais essayer autre chose. Je vais essayer le rocher contre le bleu. C'est ça. Je m'en doutais un petit peu, hein, t'as vu. Ça nous semble pas logique, hein, comparé à FF et tout ça. On aurait plus pensé que les ennemis bleus, eh ben, ils sont faibles contre la foudre. Mais en fait, non, ils sont faibles contre la couleur verte, t'as vu. Donc, ouais, c'est ça, j'ai l'impression, hein, pour résumer le jeu, pour se laisser un petit peu... sur ça, vous aurez eu une idée de ce qu'est Dinosaurus de Lu. Oui, parce que moi, ça me fait... Fallait que j'en... Ah, bien joué. Faut tout recommencher, encore une fois. Tout ce que j'ai fait pour rien. Moi, Dinosaurus, ça me fait forcément penser au gâteau. Tu sais, ça existe encore, hein, d'ailleurs. J'ai connu ça dans mon enfance. Donc ça me rappelle quand j'étais gamin, hein, forcément. Les gâteaux... J'en prends de temps en temps, hein.
Et c'est assez bon. Encore de nos jours, pour me rappeler un petit peu cette époque, c'était des biscuits en forme de dinosaures comme là, hein, un T-Rex, un Triceratops. Et il y avait une face chocolat, et une face jaune, une face biscuit. Donc voilà, hein, tu sais quoi, c'est assez drôle pour le coup. C'est emblématique de mon enfance. Donc bah, c'était Dinosaurus sur Game Boy, et Game Boy Color manifestement. Eh bien, apparemment il faut ramasser des boules pour... Enfin, il faut ramasser des objets sur la map. Et plus tu ramasses de feu, dès que t'en as 5, tu débloques la boule de feu, dès que t'en as 10, tu débloques le Fury, et dès que t'en as 15 ou 20, ça se trouve, et ben, faut voir, on est à combien, là? Et ben, tu débloques le... Ouais, 12. C'est assez long, hein, quoi, pour XP, quand même, j'ai l'impression. Et ben, tu débloques le météore, hein, qui fait des dégâts colossaux. Et ça se trouve, il n'y a qu'un seul boss, hein. Ah merde. Ça se trouve, il n'y a que l'autre, là. Le mec qui nous a défoncé le trou à brin. Tu vois, là, je peux pas y aller, là. C'est ça qui est bizarre, hein. À mon avis, il doit y avoir des mécaniques de gameplay que j'ai pas... J'essaie d'appuyer sur deux fois bas. Faire une roulade ou je sais pas quoi. Comment on ramasse ce truc de feu, là, à droite? Donc, pourquoi pas, hein. C'est pas si mal, je suppose. C'est pas si pourri que ça, hein. Ça mérite pas 2 sur 10 que le mec de mon magazine papier, là, il lui avait donné. Donc il y a des bonnes idées, hein, je trouve. Mais c'est sûr que s'il y a qu'un seul boss et après le jeu c'est fini, c'est sûr que là, par contre, c'est un peu scandaleux. Ça se finit en une après-midi et il n'y a rien à faire. Parce que c'est notre objectif, hein, t'as vu, sur la map, c'est lui, hein, la croix. Mais là, et non pas Javel la croix. Mais là, ça a l'air un peu compliqué quand même. Bon allez, voilà, c'était le cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les amis.